Oi, bonsoir, Luisa, do Brésilien sans frontières. Je suis ici avec Léonie, au cours de forró, forró pour tous les gens, forró ouvert. Et comment ça a commencé cette idée? Cette idée a commencé que, du coup, tous les soirs sur la place de la République, il y a des balles en plein air. Donc il y a plein de danses, il y a la bachata, la kizomba, du zouk. Et on s'était dit, ce serait bien de faire aussi du forró. Est-ce qu'il y a un prof, si quelqu'un arrive ici aujourd'hui, par exemple, quelqu'un espère? Quelqu'un? Oui, qui arrive la première fois. Est-ce qu'il y a un cours, introduction à cette danse? Pour l'instant, on ne fait pas de cours d'initiation. Mm-hmm. Après, on renseigne, on donne des renseignements, on dit où on peut prendre des cours à Paris. Il y a des flyers, il y a des petites affiches qui expliquent du coup ce que c'est le forró, où on peut se renseigner, sur quel site internet, et qui sont les profs à Paris qui donnent des cours d'initiation, des cours de débutants ou pour avancer. Donc ici c'est forrothèque, c'est des danses latines, c'est mix, c'est beaucoup de danses, il faut qu'on sache un peu, c'est ça? On peut venir, en fait, le forro, l'avantage que c'est une danse très accessible, je dirais, donc en fait, du coup il y a toujours des gens qui sont là en fait, pour expliquer, pour montrer, pour danser aussi avec des gens qui ne connaissent pas. Donc on a envie de faire vivre le forro, d'atteindre un nouveau public, de faire découvrir le forro aux gens qui ne connaissent pas encore. Et vous faites ça toute l'année ou quels sont les mois que vous faites ça? Nous, on a commencé il n'y a pas très longtemps, il y a 3 semaines. Et du coup, on va faire ça jusqu'à l'automne où on va, du coup, le temps ne permettrait plus de danser dehors. Donc en fait, tant qu'il ne pleuve pas, on est là tous les lundis soirs. Et quel est l'horaire? De 18h à minuit à peu près. Et il y a des DJ, il y a des gens, s'ils ont envie de mixer, ils peuvent venir. Et tout est sur la base de bénévolat. Et on a juste envie de rassembler tous les forrozeros, les nouveaux danseurs, et de faire découvrir le forro tout court. Pour partager en fait cette joie de vivre brésilienne. Non, mais c'est une excellente idée ici dans la place de la République. Il y a beaucoup d'événements, les gens sont contents, ils viennent ici pour faire du sport, pour faire des activités. C'est un super endroit. Oui, c'est bien situé. Il y a beaucoup de gens qui passent. C'est ça aussi l'avantage, c'est qu'il y a vraiment plein de gens qui dansent, mais il y a autant de monde en fait, qui reste à côté, qui regarde, qui profite, et qui regarde les gens danser. Donc en fait, c'est très sympa comme ambiance. Ok. Donc viens avec nous, on va vous montrer un peu les gens qui dansent. Oui. Viens avec nous. Thank you.